Rabbi Shia Tadishmaya, on est Masechet Baba Metzia, Daf Ain Tet. Amoud Aleph à la 11e ligne, c'est ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e ligne. Amar Rabba Baravuna, Amar Rav. Donc Rabba Baravuna, il a dit au nom de Rav. Socher et Achamor, celui qui loue les services d'un nan. Il loue un nan, l'Erkov Alea, pour chevaucher, même. Ou Metalo Bechati Aderech. Et cet âne-là, il est mort à la moitié du chemin. Notenlo Scharo Shel Chati Aderech. Ve'enlo Alav, et là, Taromot. Donc il lui dira, il lui donnera la moitié de son, du salaire qu'il avait prévu. Et il peut, la seule chose qu'il peut faire, c'est se plaindre. Hein? Pas plus que ça. Echidame, la Gemara pose la question, de quoi on parle, hein? Il est shachiach la gouré, si on parle dans un cas où c'est shachiach, ça veut dire que là où il va arriver, là il arrive à la moitié du chemin, il peut louer un autre âne. Alors, tar omot, mayavité. Pourquoi il a besoin de se plaindre? Il n'a pas besoin de se plaindre. Il peut répondre, il dépose l'âne qui est mort, il loue la nouvelle âne, hein. Si jamais on parle dans un endroit où il n'y a pas de quoi louer les services de notre âne, agrabaé les métavelés, c'est pas seulement qu'il va se plaindre, il peut se faire rembourser, hein? Parce qu'il avait prévu d'aller à un point A, et il est arrivé à quoi, à la moitié, hein? La Gemara, elle répond, elle dit, l'air ou l'âme, de l'oshriach la gouré. On parle dans un cas où il n'y avait pas de quoi louer, hein? Ou Mishum, de Amar, étant donné qu'il lui a dit, Elou Baït, le mette Adacha, hein, si jamais tu avais voulu louer le propriétaire de l'âne, hein, il dit, si jamais j'avais voulu louer un âne pour arriver jusque-là, alors tu serais arrivé, hein, là, Vagra Baït, le mette, j'aurais pas eu besoin de te payer quoi que ce soit, et donc il va payer le service jusque-là où il est arrivé, et c'est tout, et il pourra se plaindre, juste. Echidame, de quoi on parle? Idé Amarle 6, je lui ai dit Chamor Stam, un âne simple, ouais, simple, un âne, juste, il a pas parlé précisément, il a dit un âne, donne-moi un âne, loue-moi un âne. Ha, Chayav, l'amidlo, Chamor Acher. Il doit lui donner, il doit lui fournir un deuxième, il doit lui fournir un autre pour le remplacer, ouais. Le temps, il a loué pour 10 jours, alors il doit lui compléter les 10 jours, ouais. Non, pourquoi de 9, hein? Il doit donner un, il est mort maintenant. Ah, okay. On parle dans un cas, on parle toujours du même cas, ouais, il est mort à la moitié du chemin. Hein? Donc il est amarlé chamorvé. Donc si jamais il lui a dit loue-moi un âne, alors le propriétaire il doit lui donner un autre âne. Et il est amarlé chamorvé. Si jamais il lui dit non, je veux cet âne-là, loue-moi cet âne-là, hein? Et après il est mort. Si jamais avec l'argent, parce que l'âne qui est mort maintenant, bon, il peut le vendre, hein. Il peut vendre les bêtes, il peut vendre la viande, il peut vendre plein de choses, ouais, il peut faire des choses avec. Uh-huh. Donc si jamais avec l'argent qu'il a récupéré de l'âne qui est mort, il peut acheter un nouvel âne, hein, alors il achètera avec cet argent, il continue son chemin et quand il revient, il vendra le nouvel âne au propriétaire. Ouais. Donc de quoi pourquoi il a besoin d'acheter un nouvel âne s'il a un autre âne? Il n'a pas d'autre pour l'instant. Ah, il n'a pas d'autre. Il est arrivé à la moitié du chemin. Une fois qu'il est mort, il doit lui remplacer. Alors... Ça dépend. Comment il a signé le contrat de location de voiture, hein? Il a dit, voilà, je veux celle-là, la numéro un tel, okay. Ou donne-moi une voiture. Okay. Donc s'il lui a dit, donne-moi une voiture, ouais. Stam, comme ça, ouais. Alors le propriétaire, le Eldan, hein, ouais. Pour ne pas faire de publicité, Eldan, il doit lui donner la voiture. Hein? C'est pas là, il est plus là-bas. Donc, il loue chez eux. Donc, il doit lui donner une autre voiture. Ouais, ah. Il doit lui faire, la voiture elle est morte. Donne-moi une autre. Ouais. Ah, okay. C'est là, ça, c'est s'il n'a rien dit. Okay. Mais s'il a dit je veux la voiture un tel avec le numéro d'immatriculation un tel, ouais. Alors là, il est bloqué. Il n'est pas obligé de lui donner un autre. Donc, mais de l'autre côté, il veut continuer, il veut avoir une voiture. Ah, donc, si jamais il a cette voiture-là qui reste, il peut la vendre en pièces détachées. Il vend les pièces détachées. Et avec l'argent qu'il a récupéré, alors il peut s'acheter une nouvelle voiture. Attends, quand il a demandé le machin, il était déjà mort ou c'est non, au milieu de la sirote? Au milieu de la sirote, il est mort. Alors, une fois qu'il est au milieu de la sirote, c'est quoi le problème? C'est quoi? Alors, maintenant, hein, il veut continuer sa route, mais il n'a plus de moyens de locomotion. Ouais. Voilà. Alors, il vend l'âne qui est mort, ouais. Et avec l'argent qu'il a vendu, il en achète un nouveau. Ok. Ouais. Et ce nouveau-là, il le rend au retour, il le rend au propriétaire de l'âne, du premier âne. Je vois pas la différence entre quand tu spécifies que ça ou tu dis n'importe quel âne. On va voir que quand ils disent celui-là, hein, il a fait un kinyan a priori avec sur celui-là. Il voulait spécifiquement celui-là. Mmh. Donc il peut récupérer
Il peut récupérer il peut récupérer ce qui est ce qui reste, ouais, l'âne qui est mort, et le vendre pour pouvoir acheter et pour pouvoir continuer. Il peut se rembourser. Ouais. Ah, tu parles du maître, le sauveur. Ouais, le loueur. Ah, ok. Ouais, celui qui a loué. Ah, ok, moi je crois que tu parlais du bal. Celui qui a loué, il prend l'âne. Sur la route, il vend l'âne et il en achète un autre. Et quand il revient, il le rendra à elle, l'âne. Okay. Ouais. Et la Gemara, elle répond. Donc, la Gemara, elle dit, donc on n'a toujours pas. Donc, si jamais c'est tous ces cas-là, alors c'est quoi la taroumette? On ne sait toujours pas ce que c'est. L'autre sera. La Gemara, elle répond, elle dit non, on a besoin quand même. Mais chez N, Beda, Améa, l'écart. On parle dans un cas où, avec l'âne qui est mort, on ne veut pas acheter un âne vivant. On n'a pas assez d'argent. Ouais. Les pièces détachées, ça vaut moins cher qu'une voiture neuve. Ouais. Donc, comme il n'a pas assez d'argent pour acheter un nouvel âne, alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien à faire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre. C'est tout. C'est tout. Non, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas spécifier que... Ouais, bien sûr. Il score. Alors, il a qu'à... Donc, la Gemara, elle objecte, elle a dit, mais si jamais il y a assez d'argent pour louer un nouvel âne, alors qu'il loue. Il a qu'à louer, après il rendra. Il vend la bête qui est morte. Avec cet âne. Et avec l'argent, il loue un autre âne. La Gemara répond, elle dit, le rav l'état amé. De amara, lo mechalin nan, karna. Mais pourquoi quelqu'un voudrait louer de cette façon-là? S'il demande cet âne-là, et au cas où il y a quelque chose, il est comme s'il... Bah, il n'a pas marqué dans le contrat une petite clause. Non, j'ai compris, mais ça veut dire dans ce cas-là, qu'il loue de l'autre façon, et c'est tout. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a dit je veux celui-là, il a l'air d'être puissant, etc. Je veux celui-là. Il a l'air de rouler vite. Ouais. Okay. Donc Rav l'état amédé, Amar Rav lo mechalina n'karna. C'est quoi? En mechalina ta kiren shela be'alim le tovata socher. On peut pas vider, on peut pas se débarrasser des biens du propriétaire pour que le loueur il puisse louer autre chose. Donc on fait pas disparaître le bien, donc l'âne, on peut pas le vendre pour qu'après il va louer une autre âne. Et donc, le propriétaire de l'âne, il a tout perdu dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est grave. Deïté Marc, parce que c'est écrit, il a été écrit comme ça. Asocher et Achamor, celui qui loue un âne. Ou Metal Obechatia Derech, et il est mort au milieu du chemin. Amara, Rav, il a dit, Im Yesh Bedamea Likar, si jamais il a, avec l'argent de la bête, il peut en acheter une autre. La bête qui est morte, il peut en acheter une autre vivante. Icar, il peut la prendre. L'iscore, à l'iscore. Par contre, si avec l'argent il y a assez juste pour louer un nouvel âne, alors il ne louera pas. Ça, c'est d'après Rav. Shmuel Amar, Af, l'iscore. Et d'après Shmuel, même loué, il pourra louer. C'est bon? Donc Rav, il te dira qu'il ne peut pas louer. Mais Maïka Rifligan, quoi ils sont marloquettes? Rav et Shmuel. Rav, ça va, l'homme et Khalinan Karna. D'après Rav, on ne peut pas. Se débarrasser du keren. Donc on ne peut pas se débarrasser de la bête du propriétaire. Hein? Ou Shmuel Amar. Ou Shmuel ça va, et Shmuel y pense. Mais Khalidan Karna. D'après Shmuel, on peut se débarrasser du bien du propriétaire. Et donc, d'après Shmuel, si la bête elle est morte, il vend, et avec l'argent, il loue une nouvelle bête. Et donc, dans ce cas-là, le propriétaire, il a perdu sa bête. Ouais, c'est bon. Allez, on continue. Métiv est un objet. Yavesh Aylan. Donc là, c'est un cas un peu spécial. Rachid explique comme ça. On objecte sur Rav. On objecte, il y a quelqu'un hein, qui a un arbre. Ouais, et il a donné cet arbre-là. Enfin, pas il a donné. Il a fait un prêt. Et l'arbre, c'est en caution. Ouais, il a laissé un arbre à celui à qui il a fait la prêt en caution. Et le type, il peut manger les fruits. Ouais. Pour se rembourser. Il y avait chez l'âne au Miktsat. Si jamais l'arbre s'est asséché. Ou alors il a été coupé. Hein? Maintenant il ne peut plus prendre les fruits. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ketsad yase, comment il va faire? Il a carbo. Shneem Asurimbo, pardon. On reprend, ouais. Métive, il y avait chez l'âne au Miktsat. Si l'arbre, il s'est asséché ou il a été coupé. Les deux, ils n'ont pas le droit d'en profiter. Ni le propriétaire de l'arbre, ni celui qui a fait le prêt. Hein?
ne peuvent pas en profiter les deux. Pourquoi? Parce que, a priori, si jamais c'est celui qui a emprunté l'argent, si jamais c'est celui qui a emprunté l'argent qui en profite, hein? Alors l'autre il a tout perdu, puisqu'il a le prêteur, il a plus de gage. Hein? Et si c'est le prêteur qui s'en sert, comment il va s'en servir? Il va brûler le bois, hein? Il peut s'en servir que pour brûler le bois avec le bois qui reste, ou pour faire autre chose. Et donc ça veut dire qu'il va faire disparaître le kérem du propriétaire. Hein? Et donc on a un problème avec ça. Et c'est pour ça que c'est une couchée sur rave. Hein? Ketsadiasé, comment il fait? Il a carbo, carca. Il achètera avec un terrain et celui qui a prêté, il mangera les fruits de ce terrain-là. Ve'aracha, la Gemara maintenant elle explique la kushia. Et tu vois bien que ici, kevan dechimate yovel kaadra alemara. Ah, tu vois bien que si jamais, c'est pas à cause de ce que j'ai dit, Mechila, c'est à cause de la, pourquoi c'est une kushia sur Rav? C'est à cause de, on a dit qu'on prendra, on va acheter un terrain avec. Ce terrain-là, la personne, elle prendra les fruits du terrain. C'est-à-dire, on va louer le terrain et les loyers, il le prendra. Hein? Tu vois bien de là que, au bout d'un moment, avec l'argent de bois, je vais acheter un terrain. Et au bout d'un moment, le terrain, il va revenir au propriétaire du terrain. Pourquoi? Parce que tous les 50 ans, il y a le Yovel. Et au Yovel, tous les terrains, ils reviennent au propriétaire. Hein? Donc on a un problème. Hein? C'est une question de survie, puisque tu vois bien que tu te sers du bois, et le bois, il va disparaître au bout d'un moment. Ouais, ça dépend jusqu'à combien de temps tu as ton prêt. Le méchané. Si ton prêt est dans 3 ans, et Yovel est dans 40 ans... Le méchané, ça ne change rien. Le méchané, parce que dans 40 ans, il va perdre. Lui, il avait un arbre, oui, mais et dans 40 ans, il va se retrouver à 101. Le prêt va se finir dans 3 ans. Alors, celui-là qui a emprunté, il en fout de... Donc, celui qui a emprunté, il va récupérer. Celui qui a prêté... Il va récupérer son argent. Mmh. Hein? Celui qui a emprunté, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère le terrain. Il récupère le terrain. Au lieu de récupérer un arbre, il récupère le terrain maintenant, puisqu'il a vendu l'arbre. C'est celui-là qui a prêté qui récupère le terrain? Celui-là qui a emprunté. Pourquoi il récupère le terrain, celui qui a emprunté? Ben, c'était à lui l'arbre. Ah, il avait donné en gage. Il avait donné en gage. Okay, hein? Pardon. Okay. Donc lui, il va récupérer le terrain. Il avait un arbre, ouais. Et maintenant il récupère le terrain. Ouais. Okay. Et le terrain, il va disparaître, tandis que l'arbre, il n'aurait pas disparu. Bah, l'arbre, il est dans un terrain aussi, non? Mais il n'y a plus d'arbre, il a vendu le terrain. Oui, j'ai compris, mais cet arbre-là, il n'aurait pas disparu aussi à Yovel? Il est bien attaché dans le terrain. C'est à lui le terrain, et l'arbre, c'était à lui. Juste l'arbre, il a disparu, il a été coupé, ou il a séché. Donc, j'ai compris, mais à Yovel, ce terrain-là, avec cet arbre qui est sûr, il ne serait pas reparti chez... C'est chez lui, c'est à lui le terrain. À Yovel, il serait reparti. Chez lui, il le garde, c'est pas grave, l'arbre, il reste à lui. On ne parle pas de l'arbre. On parle du terrain, le nouveau terrain qu'il a acheté avec cet arbre-là. Ce nouveau terrain-là. L'arbre, il le regarde quoi qu'il arrive. Disons qu'avec cet arbre, il a fait une armoire. Hein. L'armoire, il la garde indéfiniment. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec le terrain maintenant? Le problème, c'est que le terrain, maintenant, il va le perdre. Hein. Oui, c'est bon ou pas? C'est bon? Donc, comment il va faire? Ce terrain-là, au lieu d'avoir un arbre, maintenant il a un terrain, mais ce terrain-là, il va le perdre. Donc, tu vois bien, Rav, qu'on touche au keren du propriétaire. Hein? La Gemara répond, elle dit, Acha, Bema Eskinan, ici de quoi on parle? Des Abenle, les Shichin Shenin. Il a acheté le terrain. Pour 60 ans, hein, Shichin Shenin, pour 60 ans. Et donc, ça veut dire que c'est plus que le Yovel, c'est plus que les 50 ans. Et quand Amar Afrida Amar Rav Katina, Minaïn le Mocher Sadeu le Shichin Shana, d'où est-ce qu'on sait que celui qui vend son terrain pour 60 ans chez Ena Choveret Bayovel, elle ne revient pas au Yovel, dans 60 ans, il y a forcément un Yovel qui passe. Hein, dans les 60 ans, il y a forcément un Yovel qui passe. Et donc, a priori, ça devrait retourner au bout de 50 ans. Au bout du le jour du Yovel, ça devrait retourner au propriétaire. Ouais. Mais là, dans un cas où il a vendu pour 60 ans, alors, Enachoseret la Yovel. D'où est-ce qu'on sait? Chez Neymar, quand c'est marqué, Vearet l'otimacher l'itzmitut. Et la terre, tu la ne vendras pas l'itzmitut. L'itzmitut, c'est pour toujours. Donc, c'est quand il a dit, il n'a pas donné de date. Michéen, Sham Yovel nitzmetet. Yasham Yovel, Enan nitzmetet. Donc, si jamais tu n'as pas donné de date,
Alors, au bout du Yovel, on le récupère. Yastazo, ça vient nous exclure, chez Afal Pichen, Cham Yovel, et Nanit Metet. Ça vient nous exclure cela, où j'ai donné une date, que bien qu'il n'y ait, que bien que le Yovel il est passé, alors qu'il ne revient pas au moment du Yovel, il ne revient pas chez lui. C'est bon ? Sauf sauf, la Gemara elle répond, elle dit, sauf sauf, finalement, les rimatou shitin shenin, kadra Gemara, les kakal yakana. Quoi qu'il arrive, hein, au bout des 60 ans, même si c'est pas le Yovel, au bout des 60 ans, elle va retourner chez le propriétaire de la, de, du terrain, puisque tu l'as loué pour 60 ans. Donc a priori, le kéren, il a disparu, tu avais un arbre, tu as un terrain, il n'y a plus de terrain, ouais, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus d'arbre. Donc question sur Rav toujours, on pose la question sur Rav toujours. Achin a mimistabra. Pardon, j'ai sauté. Et là, Achabima Yaskinan, ici de quoi on parle? Bismanchen, Ayovel Noé. On parle dans un cas où, malheureusement, comme bah, le Motenu Arabim, le Yovel il marche pas. Comme aujourd'hui, le Yovel ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore le Rov du Ham Israël, il n'est pas en Eretz Israël. Mais Bezrat Hashem, quand ça arrivera bientôt, le Yovel il reviendra. Mais tant qu'il n'y a pas de Yovel, quand quelqu'un il vend un terrain pour toujours, alors c'est pour toujours. Ouais. C'est bon? Donc on n'a pas besoin de le rendre. Rappelle-moi que le machin du Yovel, ça revient. Et donc, comme le Yovel, il fonctionne pas, et donc le terrain, il reste chez lui. Et donc, celui qui a. Donc, Rav, il répondra que quand il a vendu son arbre pour acheter un terrain, alors il n'a pas perdu le keren. Donc, c'est pour ça qu'il a pu le faire. Achinami Mistabra. C'est logique de dire comme ça aussi qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de Yovel. Mais c'est le cas de Atar, Bisman, Chez Yovel, Noé. Donc, si tu me dis que c'était pendant que le Yovel il marchait, ou Mechalin, Ankarna, et qu'on peut permettre de. Enfin. On comment on dit, Mechalin Ankarna, on peut vendre le keren, le bien du propriétaire qui a loué, puis ni tsalleche, le tsive venishkele. Alors, on aurait pu proposer que le celui qui a prêté, ouais, celui qui a prêté l'argent, alors ils prennent l'arbre, ils s'en servent pour lui-même, pour son bien personnel à lui. Donc tu vois bien que ça va plus comme Rav qui dit que si jamais c'est le keren, il est pas, on prend pas le keren, ouais, on touche pas au keren. Imishuma, la Gemara, elle continue à objecter, elle dit comme ça, c'est comme ça, lo kashia, zimnin deshalmu shne mashkenta mikame yovel, ouais. Alors c'est pas une contradiction, pourquoi? Parce que des fois, hein, c'est pas vraiment une contradiction le cas de tu m'as dire que le propriétaire il prenne l'arbre et il s'en sert. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est mieux de prendre un terrain et c'est plus bénéfique de prendre un terrain. Si nous on dirait Shne Mashkenta Mikame Yovel, des fois la Mashkenta, le fait de rendre, comme tu as dit tout à l'heure, hein, tu as bien été Mitkaven, que des fois le prêt il va se terminer avant le Yovel. Donc ça y est, il est tranquille. Inami, ou alors de Matou les Ouzé, il va prendre un prêt, ou Farikla, Arba de Khamesh Shenin, Mikame Yovel, et il va rembourser il va rembourser le crédit qu'il avait, et donc il va récupérer son terrain, et donc il n'y a plus de problème. Tanou Rabana, on a une Braïta qui nous dit, on parle dans un autre cas. Ouais. On continue. Tanoura Banane, un autre cas, ce qui est cachot avec notre sujet. Asocher et Asfina, celui qui loue un bateau maintenant. Et là, Bechatsi Aderech, et elle a coulé à la moitié du chemin. Rabbi Nathan Omer, Im Nathan, Loïtol. Si jamais il a donné de l'argent, alors s'il a payé déjà la sriroute, alors il ne récupérera pas. Im Lo Nathan, et s'il n'a pas payé, Loïten, il ne payera pas. Et Chidame, de quoi on parle? Il est mal, si on parle dans un cas où Besfinazo, il a dit que je veux ce bateau-là, et je veux pas un autre, je veux celui-là. Hein? V, il y a Instan, et il voulait transporter du vin, sans préciser quoi. Imnatan, si jamais il a donné à Maïlo Itol, pourquoi il ne récupérera pas son argent? Nemale, il peut dire, Avli Safinta, Dana Maïtina, Hamra. Donne-lui, pourquoi il ne prendra pas? Parce qu'il peut lui dire le propriétaire, voilà, je te donne un autre, je te donne, donne-moi un autre bateau, hein, et moi je mettrai le vin dedans,
Ouais. Et là, Beskina Stam, il a dit qu'il parlait, dans, il a demandé de louer un bateau. Il n'a pas précisé quel bateau. Il voulait louer un bateau. Yainze, et il lui a dit, ce vin, ouais, ce vin-là, je veux transporter. Il me le matin, hein, si jamais il n'a pas payé, Mailo Iten, pourquoi il ne payera pas? A priori, il doit payer. Némane, il peut lui dire, Avli Ahou Khamwa, Namaitinas Finta, donne-moi, emmène-moi ton ce vin-là, le vin que tu voulais transporter, moi je te donne un bateau. Hein? La Gemara, elle continue, elle dit, Amar la Rav Papa, et donc il va expliquer Rav Papa de quel temps on parle, l'Omash Karatla, et là, Besfinazo, Veyainze. Tu ne trouveras pas d'autres explications possibles de dire que on parle quand il a dit je veux ce bateau et ce vin-là. Aval Besfinastam, mais si jamais c'est un bateau, il a dit demander un bateau, Stam, Veyainstam, Holkin. Alors, on dira que ils partageront là. Le prix, ouais. La moitié, moitié, moitié. Si tu devais payer 100 shekels, il payera 50. Ouais. Cholkin. Tanoura banane. La Gemara, elle donne un autre cas qui ressemble. Tanoura banane. Asocher Kasfina, Varka la Bahati Ader. Et au milieu du chemin, elle fait. Il a décidé d'arrêter le d'arrêter. Ouais, il veut plus le bateau. Il payera la moitié du chemin, et donc le propriétaire du bateau, juste, il peut se plaindre. Pas plus, pas moins. Ouais. Mm-hmm. De quoi on parle? Il est Madeka Mashkarle Agoura. Si on parle dans un cas où il est arrivé dans un endroit où il peut le louer facilement, son bateau. Donc le propriétaire, on répète le cas. Hein. Le propriétaire, il a loué le bateau à quelqu'un. Et au milieu, il a dit, bon, je veux plus le prendre. Reprends ton bateau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il paye la moitié, et c'est tout. Ouais? Et il peut se plaindre. Alors, de quoi on parle? Si jamais il est arrivé dans un endroit où le propriétaire, il peut relouer le bateau, pour encore une truc, ouais. Alors, Amai, il te l'état à remettre. Pourquoi il a à se plaindre? Il n'a pas à se plaindre, ouais. Il a trouvé un autre loueur. C'est bon, ça suffit. Veil de l'omashkar la agoura. Et s'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour le louer, couler à grab à l'échaloumé, il doit payer la totalité de l'allocation. La Gemara, elle répond, l'air olam, des kamashkar la goura. Dans un cas où il a trouvé de quoi louer. Ouais. Et là, Amay, il l'est à remettre. Et pourquoi il a de quoi se plaindre? Mishum rafseta desfinta. Parce que, en le chargeant et en le déchargeant, il s'est abîmé un petit peu, ouais. Et à cause de ça, alors il n'est pas content. Amal il est à remettre. Mishum rafseta desfinta. Yachi, si c'est ainsi, ta'anta me'aliatahu. Alors là, la ta'ana, elle est valable, hein. Le propriétaire du bateau, c'est pas une ta'ana qu'il a. Mamona, il te l'est gavé. Il peut récupérer l'argent, il n'est pas obligé, il n'a pas seulement le quoi de se plaindre. Il a abîmé le bateau, il peut récupérer son argent, ouais. La Gemara répond, elle dit, et là, Maï Praka, c'est quoi le décharger le bateau? De quoi on parle? Des Praka, les Taonata, Begavé. Qu'il a déchargé quelque chose, il a chargé quelque chose en plus qui n'était pas prévu. Il avait marqué dans le contrat que s'il voulait, il pouvait rajouter. Mais il a chargé, et au milieu du chemin, il a chargé quelque chose d'autre. Et cette charge-là, alors elle n'était pas prévue. Et comme elle n'était pas prévue, alors ça a dérangé le propriétaire du bateau. Et donc, il peut se plaindre à cause de ça. Et là, Maï Taromet, c'est quoi la Taromet? C'est quoi la. Là, pourquoi il a le droit de se plaindre? Mishum shinui data, parce que ça l'a dérangé, il a changé d'avis. Ouais, au milieu du chemin, il avait prévu de faire un chemin normal avec une certaine charge, et au milieu du chemin, il a rajouté une charge. Et ça l'a dérangé, et donc il peut se plaindre. Inami, ou alors, deuxième possibilité, les ashlay etera, parce que comme la charge, elle est plus grande, ouais, alors le bateau, il est plus. Plus profond, quoi. Plus tu charges le bateau, plus le bas du bateau il rentre dans l'eau. Ouais. Et donc, si jamais plus le bas du bateau il rentre dans l'eau, il peut pas se rapprocher trop près du bord, parce que au bord ça va toucher le sol. Donc, il est obligé de se mettre plus loin, et donc il est obligé d'avoir des cordes plus grandes pour pouvoir attacher le bateau plus loin. Ouais. Et donc, à cause de ces cordes là, il a il peut se plaindre, parce qu'il a dû acheter des nouvelles cordes plus grandes. Alors que si jamais il avait été prévenu depuis le début, il aurait acheté au grossiste, hein, il aurait acheté chez AliExpress des cordes plus grandes, ou sur Temu,
et pas au duty free. Ouais. C'est bon? C'est bon le cas du bateau? Ouais. Allez, on passe au cas suivant. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Asocher et Tachamor, l'Irkovalea. Celui qui prend un âne pour le chevaucher. Socher, Maniach, Alea, Kesuto. Celui qui le loue, il a le droit de mettre sur l'âne, en plus de lui, son Kesuto, c'est son habit, merci. Son habit. Ve, ou l'ignuto, et sa gourde, ouais. Ou maisonot shel ota derer, et le repas, les repas, la nourriture qu'il aura besoin pour tout le chemin. Ouais. Donc ça c'est Mikan Vela, tout ce qui est en plus, mais Hamar, mais Akevela, tout ce qui est en plus, le propriétaire du chameau, il peut lui dire non, je ne suis pas d'accord, tu n'as pas le droit de mettre plus que ça, parce que tu l'as loué pour chevaucher seulement. Hamar Maniar, maintenant si jamais c'est le Hamar, c'est le propriétaire de l'âne, ouais. Il veut mettre des choses sur sur l'âne qui a été loué. Hein. Il a le droit à l'âne seorim veteven. Il a le droit de mettre de l'orge et du teven. Teven, c'est du foin pour ou mesonota pour que l'âne il puisse manger. Hein. Parce que apparemment, il lui donnait avec quand il louait l'âne, il louait avec le plein. Hein. Il fallait qu'il mange tout le chemin. Hein. Donc il le loue avec le plein, il le rend avec le plein. Donc si jamais, qu'est-ce qu'il a le droit de mettre le propriétaire de l'âne? Il a le droit de mettre du foin, enfin la nourriture de l'âne, pour une journée. C'est le temps pour une journée. Mikan Velar, Socher, Merkevala, plus que ça, le loueur, celui qui va louer, lui dit non, c'est trop, parce qu'après l'âne, il ne va pas avancer vite. Hein, il ne va pas avancer assez vite, donc je ne veux pas que tu mettes plus que ça. C'est bon? Et Ridame, donc de quoi on parle? Id et Shriach les Mesabens, les Misban, si on part dans un cas où il y a de quoi manger pour l'âne, Khamar Namine, le Khamar, enfin, si jamais il y a de quoi manger, hein, le propriétaire il a de quoi manger. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que celui qui a loué, il a le droit de prendre la nourriture pour tout le séjour. Hein, pour tout le séjour. Il n'est pas obligé de prendre pour chaque jour. Alors de quoi on parle? Si jamais on part dans un cas où il y a de quoi manger, Khamar Namine, Akev, donc le propriétaire du chameau, de l'âne, Il peut lui dire, je suis désolé, tu prends que pour une journée, hein? Mais il déloge riach les mesaben, son frère n'a mis l'oléakev. Et si jamais il n'y a pas de quoi acheter à nous manger sur la route, alors si jamais il veut mettre plus de nourriture pour l'âne, il a le droit de mettre plus, même le propriétaire de l'âne, hein? La Gemara répond, Rav Papa il répond, il dit comme ça. L'autre riach, j'ai besoin. T'es riach les mitrach ou le misban, ma avna le avna. Il y a de quoi manger, mais la personne, elle ne veut pas se casser la tête à aller chercher à manger le soir quand elle arrive là où elle va dormir. Hein? Mais il y a de quoi manger. Mais c'est pas le terrain. Il n'a pas envie de se casser la tête à trouver de quoi manger. Par contre, là, le propriétaire de l'âne, Hamar, Darkel et Mitrach ou Misban, là, le propriétaire de l'âne, il a l'habitude d'aller. Il va chercher à manger pour son âne, il vérifie qu'il a tout ce qu'il faut, etc. Il prend soin de lui. Et donc, c'est pour ça qu'on lui demande de prendre seulement pour une journée. Socher, l'art Darkel et Mitrach ou Misban, le loueur, il n'a pas l'habitude de se casser la tête à aller chercher à manger et à louer à manger à droite, à gauche. C'est bon? Très bien. Tanou Rabanan. Un autre cas qui ressemble. Un socher et tachamor, l'erkov alav, ish. Il a loué un âne pour que ce soit un homme qui le chevauche. L'otirkav alia isha. Une femme, elle n'aura pas le droit de monter dessus. Isha, si c'est une femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle va. Apparemment, elle n'était plus lourde que l'homme. C'est vrai, hein. Avant, c'était la mode. Il fallait que les femmes elles soient bien en chair. Faut pas leur dire ça. Hein. Non, on va voir que c'est pas vraiment à cause de ça, mais pas parce qu'elle emmène avec elle plus de choses. Hein. On va voir. Avec les bijoux. Peut-être. Non, pas les bijoux. On va voir. Par contre, une femme, Isha, si c'est une femme. Si jamais on l'a loué pour une femme, alors un homme il a le droit de monter dessus. Veisha, ben gdola ou ben ktana, afilu meuberet va afilu menika. Et si jamais il a loué pour une femme, alors ça peut être une femme qui soit bien portante ou une femme petite. Et même si une femme elle est enceinte, ou alors elle est menika. C'est quoi menika? Elle allaite. Hein? Donc elle a le droit de monter. Si jamais j'ai pris pour une femme, sans préciser, j'ai le droit à toutes ces choses-là. Ouais? La Gemara elle pose la question: Ashta menika amar. Tu m'as dit qu'une ménica, j'ai le droit, une femme qui allait,
j'ai le droit à... pourquoi j'ai le droit, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de la... parce que pourquoi j'ai besoin de préciser, hein? Parce que cette femme là elle prend son bébé avec elle, donc c'est plus une seule femme, c'est la femme plus le bébé, hein? Donc si déjà tu m'as précisé qu'une femme qui allait elle a droit, mais au béret, mais baya, une femme enceinte, j'ai besoin de me préciser, c'est sûr que oui, parce qu'une femme enceinte, ce sera toujours moins lourd qu'une femme plus un bébé, hein? Oui, c'est bon, donc tu n'as pas besoin de me préciser. Ah, mais papa, oui, j'ai besoin de préciser, pourquoi, hein? Mais au béret, veïménika, parce que c'est une béret, si jamais c'est une femme enceinte, qui est en train d'allaiter un autre bébé aussi. Elle est déjà enceinte, et est en train d'allaiter un autre bébé, quand même, et donc dans ce cas-là, j'ai le droit aussi. Amar Rabaye, Rabaye dit, Shmamina, Binita, Akresa, Takla. Benita, c'est un poisson, Akresa, Takla, si jamais il est gros, hein, il est gros, son ventre il est gros, ça veut dire qu'il a plein dans ses entrailles, et donc c'est pas de la chair du poisson. Les Maïnaf Kamina, ouais. C'est-à-dire quoi? Un poisson, il pèse en fonction de son poids. C'est quoi la nafkamina? Les mikach ou l'ankar, quand je vais vendre du poisson. Ouais, si jamais il a un gros ventre, je ne suis pas intéressé parce que je vais lui nettoyer et il y a tout qui va partir. Donc a priori, alors il va falloir faire en fonction. Parce que si jamais j'ai envie d'enlever un gros poisson, je le pèserai après avoir enlevé les entrailles. Ouais. Voilà, on est arrivé à la Mishnah. Dans le cas de Naïna, on a un problème.